Allô tout le monde, donc bienvenue dans le Vlogmas jour 14. Là, on est vendredi soir. On a passé la journée en pyjama puis tout ça. Moi, on dirait que je fais la journée inverse aujourd'hui. J'ai passé la journée en pyjama puis là, je me suis habillée parce que je voulais pas aller genre au Marchinelle en pyjama. J'étais vraiment mal à l'aise. Mais c'est ça. Fait que là, on se prépare, on s'en va au Marchinelle un petit peu parce que mon chum voulait y aller un petit peu. Puis, après ça, ben, quand on va revenir, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, ma mère m'a fait les ongles. On va pas t'en bien. Non, c'est moi qui va voir les miens. Fait que ma mère m'a fait mes ongles, fait que je suis vraiment contente. On a fait les ongles aussi des amis des deux grands de la garderie, fait que ils étaient vraiment contents. Puis, on a mangé aussi du popcorn après-midi en mangeant du chocolat. On a mangé du popcorn, du chocolat et on a écouté un film de Noël avec les enfants. On s'entend, là. On a pas écouté genre 3 heures. Ça t'a fait, gros max 15 minutes, puis les enfants étaient comme surexcités, fait que on a terminé ça en joie jusqu'à temps que les enfants partent. De toute façon, les enfants sont vraiment partis comme rapidement ce soir, là, fait que c'est ça. Fait que là, il est comme 5h30, on va aller au marché Noël avant, puis après ça, on va pouvoir continuer la soirée. Honnêtement, ça va être une soirée vraiment relaxe, une fin de semaine aussi relaxe. J'ai pas vraiment de plan, fait qu'on va voir comment ça va s'enligner. Fait que sur ce, moi je vous laisse, puis on se reparle plus tard. Bon, on vient juste de revenir. Honnêtement, je suis un peu fatiguée, beaucoup fatiguée de ma semaine et de ma journée. Fait que ça va être une soirée vraiment plus que mollo, pour de vrai. Je vais genre aller me laver. On va souffler. Ça va rester vraiment relax, une soirée vraiment à genre rien faire. Je voulais juste vous montrer ma petite commande. J'ai fait une mini commande de Bath & Body Works. Fait que je voulais vous la montrer. Puis dans le fond, j'ai acheté 3 chandelles. Ils étaient à 11$ il n'y a pas longtemps, là. C'est genre la fin de semaine de la chandelle. Dans le fond, la même. Fait que dans ce temps-là, il y a comme full de rabais. Fait que les chandelles Bath & Body là, sont vraiment chères. Sinon, là, 27$ pour une chandelle, j'achèterai jamais ça. Mais quand ils sont genre à 11$, je trouve que ça a de l'allure. Fait que j'ai acheté ici la Champagne Toast. Je l'aime full. C'est genre une de mes préf. Elle sent vraiment vraiment bonne. Elle sent un peu comme fruitée, on dirait. Fait que Champagne Toast ici. Ensuite, j'ai ici. Il y avait tellement pas grand monde pour vrai. Je suis tellement contente. Puis tu sais, nous autres, dans ce cas qu'on va à quelque part, il y a genre personne. Quand on, après ça, quand on part, tu sais, mettons qu'on va genre en commande à l'auto ou que, peu importe, il y a toujours genre personne, puis après ça, plus qu'on avance et tout, genre il se fait toujours genre une méga file après nous. Puis ça fait tout le temps ça, genre même au marché Noël, il n'y avait personne, puis là, quand on est parti, il y avait plein de monde. Et la prochaine, c'est la Winter. Celle-là, je l'avais jamais sentie, mais honnêtement, ça sent un peu genre le sapin. Fait que c'est pas genre ma préf, mais je l'aime quand même, fait que j'aime full le packaging. Il était vraiment beau. Fait que je suis contente. Puis la dernière, c'est genre la chandelle qui me fait penser à ma soeur. C'est ma soeur genre qui me l'a fait découvrir. Parce qu'elle avait celle-là chez elle. Puis c'est Cactus Blossom. Pas trop en tout cas. Je l'aime full. C'est marqué pétale de fleurs de cactus agrumes frais, vanille et noix de coco. Oh ouais, vanille! On dirait que je vois pas c'est quoi le côté vanille, mais en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est genre ma préférée de toutes, là. Fait que c'est ça. Mes ongles, ma mère m'a fait un genre de petit rose. On voit pas tant bien, là, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Pour mes ongles, fait que je suis vraiment contente. Fait que là, il est comme 6h40. Je pense qu'on va genre aller se laver. Puis on va se mettre en pige, puis on va comme peut-être même écouter genre un film de Noël. Je vais demander s'ils veulent écouter un film avec moi. Puis après ça, ben, on va peut-être souper. J'ai vraiment pas faim honnêtement, là. J'ai comme, on a mangé un peu au marché de Noël, fait que on a goûté à un truc là, c'est genre un genre de grilled cheese au canard et tout. Moi ça m'a un peu comme écœuré de savoir que c'est du canard, mais j'en ai mangé quand même. Puis pour le reste c'était quand même bon, mais comme j'en remangerais peut-être pas. J'en avais comme de la roquette, du fromage, du canard, un truc de canard, de la genre de confiture. Ouais. Ben, c'est de la roquette, ouais.
Puis, ça ressemble à ça. En tout cas, c'était quand même bon. C'était comme dans un truc à panini, là, avec du pain de ménage. Fait que c'était quand même bon, mais tu sais, c'était comme pas. Tu sais, je vais pas en manger, là. Tu sais, je veux dire, c'était mangeable. On l'a mangé, mais c'était pas un 10 sur 10, mettons. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Puis, on va profiter de notre petite soirée ensemble. Puis après ça, ben, ça va être le dodo. Fait que sur ce, je vous laisse. Puis, on se parle demain. Là, on est le lendemain, on est samedi. Donc aujourd'hui, journée vraiment pas compliquée. Vraiment pas compliquée, je veux dire. On fait pas grand chose aujourd'hui. On s'en va juste faire une petite épicerie juste pour se rendre à jeudi. Parce que jeudi, on va aller faire plus comme la grosse épicerie. Ben, j'ai fait une petite liste. On va aller au Super C, Métro et Maxi. Il y a comme des petits spéciaux. Fait que environ 70$, là, pas plus. Juste pour comme nous dépanner jusqu'à jeudi. Fait que on va aller faire ça. Puis après ça, on va revenir à la maison. Ça va être genre l'heure de la sieste à Juliana presque. Le dîner et tout. Puis après tout ça, ben on va pouvoir aller. Mon chum va aller porter les enfants chez leur mère. Parce que à soir, il y a un souper de son côté. Fait qu'on les aura pas juste comme pour la soirée. Puis nous, on va vraiment comme juste faire un souper tranquille. Puis ça va être ça. Fait qu'on a vraiment pas grand chose de prévu. Fait que je vais vous montrer au pire le haul d'épicerie dans ce vlog-là. Puis de toute façon, je voulais pas faire un énorme vidéo. Parce que cette semaine, vous avez eu genre des 30, 38, 40 minutes. Fait que je trouve que c'est comme beaucoup un moment donné, là. Vous avez comme pas le temps d'en écouter non plus autant, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous mettre un petit vlog pour aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, moi je vous laisse. Puis on s'en va faire nos petites commissions. Bon, fait qu'on vient juste de revenir de nos petites commissions. Fait que je vais vous montrer mes achats. Demain, les enfants s'en vont. Ben, Émilie peut-être pas en tout cas. Nicolas il va, c'est sûr. Chez leur cousine. Leur cousin, je veux dire. Puis, excusez. En tout cas. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté comme cadeau de fête. Dans le fond, c'est la fête à un de leurs cousins. Fait que j'ai trouvé ça ici. J'annonce ta minute. Papa est en train de te le faire. Fait que j'ai trouvé ici un truc. Elle m'avait dit qu'elle avait genre les trucs de peinture. Fait que c'est comme un livre de Pat Patrouille avec la peinture. Fait que si jamais vous en cherchez, je l'ai trouvé au Dolo. Fait que je trouvais que ça valait la peine. Là, je ne vais pas trop le montrer, mais j'en ai trouvé un à Juliana. Fait que je vais le garder. Juliana est un peu à bout de sa vie. Fait que ça, je vais. Dans le fond, là, Juliana, je vais lui donner. Juliana, deux minutes, papa est en train de faire. Ah, bobo! Ouh, les bobos! Ah, ben fais attention, mon amour! Fait que lui à Juliana, je vais le garder pour un. Je sais pas encore si je donne à sa fête ou à Noël ou non. Je vais voir. Puis ici, j'ai trouvé un casse-tête. Elle avait dit aussi que dans le fond, c'est un petit garçon de 3 ans. Fait qu'elle avait dit qu'il aimait genre les casse-têtes. Puis tout, de genre 24 morceaux. Fait que ici, j'en ai un de 35. Puis c'est genre un géant qui va sur le plancher. Fait que c'est comme des morceaux comme ça, là. Fait que le casse-tête, je le trouvais vraiment beau. Fait que tu sais, pour un petit garçon de 3 ans, je trouvais que c'était parfait. Fait que ça va être ça, son petit cadeau. Là, je vais vous montrer les achats d'épicerie. On est allé au métro, au Super C, puis au... Oh non, on n'est pas été au métro. Super C, Maxi, puis au magasin de rabais. Fait qu'on a acheté au... Je m'en rappelle plus trop c'était où, là, mais en tout cas, les clémentines étaient vraiment pas chères. Maxi. Les clémentines au Maxi. Ensuite, Maxi, au pire, je vais tout faire Maxi. T'es là. Je vais tout faire Maxi en premier. Là, vous voyez rien, hein. Fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Ça a coûté finalement 80$ en tout et partout. Là. Fait que un pain tout court pour mon chien et les enfants. Enfin, je vais en prendre un peu. Après ça, du concombre. On avait des points là-dessus, fait que j'étais contente. Les raisins étaient tellement chers. 9$. Vraiment cher. Attends, papa, je viens. Papa, il s'en vient. Ça sera pas long. Je pense qu'elle est fatiguée. Elle va manger. Fait
Fait que, ouf! OK. Des yops ici pour les enfants. Les enfants, ils ont la grève cette semaine, fait qu'il y a comme pas d'école, mais tu sais, il faut qu'ils mangent pareil. À date, ils ont juste l'école vendredi. Fait que, c'est ça, mais quand même. Fait que, on a pris 6 yogourts à boire. Il était 1$ à l'achat de 5. Ensuite, j'ai demandé à mon chum des cocos. T'en achetais 5, après ça, t'as 1$. OK, si t'en achetais 5 et plus, c'était 1$. Ouais. Les cocos étaient à 2,44, fait que je trouvais que ça valait la peine. Puis on en mange pour les fins, puis les fous ici. Mais cette semaine, je me suis rendu compte que j'avais vraiment mal au ventre quand j'en mangeais. Fait que je pense pas que je vais comme redéjeuner ça pour les prochaines semaines. Ensuite, le magasin en rabais. J'ai trouvé ces chips-là ici. J'avais goût d'écouter. C'est oignon doux. Je sais pas trop, là. Mayu, en tout cas. Oignon doux. Je me suis dit qu'on allait goûter immédiatement. Ça me tentait vraiment de goûter à cette sorte de chips-là. Oh mon dieu, ils sont froids. Mmh. Vraiment bonne. Mmh. Un peu comme ça, l'oignon. C'est genre poudre d'oignon, poudre d'ail. C'est vraiment bon. Fait que si jamais vous voyez, c'est... moi j'adore les chips-là, là, genre cuites au four. Là. Mmh. Trop bon. J'ai payé ça genre 1$. Mais non, 2$. Au magasin de rabais. Vraiment bon. Ensuite, pour dîner, nous on va faire des ailes de poulet. Voyons, j'ai failli faire un dégât. Ouais, des ailes de poulet, c'est ça. Des ailes de poulet, on a pris deux paquets, c'était 2 pour 18. Fait que les 4 grands, on va manger ça. Juliana, elle mange un restant de macaroni chinois parce qu'elle va aller se coucher dans pas long. Fait que des ailes de poulet, miel et ail. Fait que 2 pour 18, je trouve que ça se rend bon. Il y a comme presque 24 ailes dans un paquet. 13-14. Tu veux d'autres chips? Enfin ça, du bœuf haché, on aime ça prendre du steak haché comme ça, c'est genre 7$ pour 4 petits rouleaux. Pas genre pour des hamburgers et tout, mais tu sais, on aime ça prendre ça pour comme pâté chinois, macaroni à viande, tu sais, des affaires de même. Sauce à spaghetti. Sauce à spaghetti, c'est genre parfait. Fait que ça ressemble à ça. Là, j'ai trouvé ici une barre de chocolat. Hershey sucre à la sucre, non, biscuit au sucre. Fait que je me suis dit qu'on allait goûter pour voir si c'est bon. Là, on n'a pas encore dîné, là, fait que je goûte, mais comme. Ils sont vraiment bonnes avec les chips. Mm-hmm. Fait que je vais juste goûter. Fait que c'est comme avec des petits bonbons. On avait-tu déjà goûté ça? Non. Elle doit pas mourir, ça. C'est biscuit au sucre. Pourquoi? Mais. Ça fait pas grand chose, là. Tiens, donne à Emily. C'est plus ça, genre Emily. Emily, je te le laisse. Et puis, j'ai trouvé aussi de la sauce, de la tension, de la mayo à l'ail ici. Je l'avais jamais vue. Fait que je me suis dit, ça serait peut-être le fun à manger avec des frites. Fait que c'était genre 2$ le petit paquet. Fait que ça, c'est pour le magasin en rabais. Ensuite, pour faire ici des pommes McIntosh. Les enfants, c'est parfait pour eux. J'ai annoncé, elle aime vraiment les pommes. Ensuite, des petites carottes, il était 94 sous. Un petit fromage marbré, il était 3 et quelque chose. Après ça, j'avais le goût d'acheter des petites saucisses comme ça. Mais mon chum aime vraiment ça, les saucisses, vous savez. Fait que j'ai jamais goûté cette sorte-là, pommes et cheddar. Fait que je me suis dit, ça fait comme un repas vraiment rapide. Une journée cette semaine. Ben, la semaine prochaine, peut-être plus. J'ai pris des bagels, il n'y avait plus vraiment de sorte, il y avait genre cannelle ou raisin, mais j'avais comme pas le goût de manger ça, j'avais le goût de manger plus comme un normal. Là. Fait qu'il y avait juste comme blé entier, mais ça fait bien la job. Fait que cette semaine, ça va être ça pour mes déjeuners. Des bananes sont extrêmement vertes, mais ils vont devenir... Ah, il y en a une qui est vraiment pas rapport. Ils vont devenir jaunes rapidement, c'est sûr. Dernière chose, des petits desserts pour les enfants à l'école, fait que des Oreo mini et des biscuits au miel et Pokémon. Fait que pour les enfants, mais pas pour cette semaine, on va les garder vraiment pour l'école. Fait que ça ressemble à ça, il était comme en spécial à 2,44 je pense. Fait
Fait que ça ressemble à ça pour notre petite mini épicerie pour genre dépanner la semaine. On avait plus besoin de genre quelques petits fruits et légumes. Ben dans le fond, fruits, on a genre pommes, raisins. Puis j'ai ici un ananas, une cantaloupe. Puis comme légumes, on a genre des petites carottes, des concombres. Oh, j'ai des bananes aussi. Fait que c'est juste pour comme dépanner jusqu'à jeudi. Ah, puis il faut aller chercher du lait aussi. Parce qu'au métro, on a comme des petits points, là, 35 points en tout cas, à l'achat de lait. Fait qu'on va en profiter pour prendre des points. Fait que ça ressemble à ça pour notre petite épicerie vraiment rapide. Puis, c'est ça. Fait que sur ce, moi, je vous laisse. Puis, on va se reparler plus tard. Bon, fait que là, on vient de souper, c'était vraiment bon. On a mangé les, je vous avais montré l'autre jour, les genres de chop avec comme un manche là, d'os, là, je sais pas trop. C'était vraiment bon, c'était genre grec, mais c'était quand même genre épicé, mais dans le sens, il y avait beaucoup d'épices. C'était pas fort, là, mais c'était comme très bien assaisonné, mettons. Fait que c'était vraiment bon, mon chum, il a vraiment été surpris. Il dit, pour vrai, il dit, je voudrais que t'en rachètes d'autres. Je pense que j'avais payé ça genre 3 ou 4 $, là, c'était vraiment pas cher pour deux. Puis tu sais, c'est vraiment gros pour une personne, tu sais, un, mettons. T'en as pas besoin de plus, là, pour de vrai. Fait que c'était vraiment bon. J'ai fait ça avec du maïs et du riz parmesan et ail, c'était vraiment bon. Fait que je suis vraiment contente de mon souper. Là, on a tout lavé, tout est propre, comme vous voyez. J'ai mis une chandelle, là, je sais pas si vous la voyez, là, mais j'ai ouvert une chandelle. J'ai jamais été en train de finir de manger. C'est quand même long. Maro. Ouais. Maman. Tu veux pas? Maro. Oui, t'as mis de la mayo pour manger? Et dans le frigidaire. Papa? Ouais, dans le frigidaire. Papa, il l'a rangé. Hein? Il a l'a rangé. Papa, il l'a rangé dans le frigidaire. Ouais. Fait que c'est ça. Désolée. Fait que c'est ça. Fait que là, voyons, fait que là, je vais aller me démaquiller. Je vais aller me laver dans pas long. J'en ai déjà lavé. Puis ça ressemble à ça pour ce vlog-là. Fait que j'espère que vous avez aimé passer la petite journée avec moi. Puis nous, on va se revoir demain. Donc à demain!